Alors Jonathan, merci de te présenter, de me raconter un petit peu ton parcours, d'où tu es originaire, etc. Alors je m'appelle Jonathan Budeau, donc je suis originaire de la région parisienne, donc 91. J'ai joué au club de Brétigny-sur-Orge pendant 8 ans. D'accord. Qui évolue en quoi ? Qui évolue, donc la première évolue en DH cette année. Ils sont descendus en National 3 l'année dernière. D'accord. Et là, j'ai joué avec l'Excellence. Tu joues avec l'équipe réserve depuis le début de la saison ? Voilà, depuis le début de la saison, je joue avec l'équipe réserve de D1. Ok. Donc là, aujourd'hui, tu es présent parce que tu viens de signer ton contrat pour le club belge de Wavre Sport FC. Tu confirmes ? Je confirme. C'est, qui est un club qui évolue donc en 3ème division amateur belge. C'est ça. Bon, tu es content ? Je suis content et ça fait plaisir et en tout cas voilà, j'espère pouvoir aider le club et vous montrer voilà, ce nouveau joueur. D'accord, et toi comment tu avais connu Foot Détection ? Alors j'ai connu Foot Détection par Facebook, j'ai déjà effectué quelques détections et voilà j'en ai fait pas mal. Du coup voilà. Sachant que toi on est d'accord, tu avais fait la saison dernière. C'est ça. Qui avait été au Luxembourg, je m'en souviens, Rodange, première division luxembourgeoise. C'est ça, j'étais aussi en Belgique. Belgique, tu avais fait Feignolles-Noye National 2, je m'en souviens, tu avais fait un match, même Côte Bleue National 3 dans le Sud, ouais. Et malheureusement, ça avait débouché sur rien. Ça avait rien débouché, et là, j'ai fait deux entraînements, c'est ça, deux entraînements avec le club du Havre. C'est ça. C'est moi qui suis revenu vers toi un an après, puisqu'ils avaient un profil, enfin rechercher un profil de défenseur qui correspondait au tien. Donc comme quoi il fallait être patient avec Foot Détection finalement. Voilà, avec Foot Détection et je remercie Foot Détection d'avoir voilà, de m'avoir donné cette chance. Et voilà, j'espère pouvoir. Maintenant c'est le terrain qui va parler. Voilà. Bonne chance Jonathan, merci. Merci en tout cas.